C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Merci pour votre fidélité. Au sommet de l'actualité de ce journal-là, au Soudan, un accord a été trouvé entre les leaders de la contestation et les rebelles. Les deux parties promettent de travailler ensemble pour le retour de la paix au pays. Pendant ce temps, en Espagne, c'est l'échec pour Pedro Sanchez qui n'arrive pas à obtenir la confiance des députés pour son investiture comme Premier ministre. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Après 50 ans de ministère et 13 ans, 4 mois comme pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Gounet, pour le pasteur Bawensom Drago et son épouse sonne l'heure de la retraite. La cérémonie de retraite a eu lieu samedi dernier en présence de parents, amis et bien sûr responsables ecclésiastiques. La cérémonie pour vous dans cet élément. L'on se croirait à un mariage. Le docteur Samuel Yamyogo en tête, le couple Ouédraogo, enfants et petits-enfants à leur suite. Il remettra les clés au président de la sous-région de Kadogo, le pasteur Jean Dawo, qui lui à son tour les remettra au pasteur Jacaya Nogo, président de la région de Kadogo. Et ce dernier à son tour de remettre les clés de l'église des Assemblées de Dieu de Gounet au président du conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouédraogo. Par ce geste protocolaire, le pasteur Bawensom Ouédraogo est désormais à la retraite. L'homme accompagné de son épouse Esther a tenu les rênes de l'église des Assemblées de Dieu de Gounet 13 ans, 4 mois durant. La victoire que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas ma victoire, je l'attribue à mon Dieu. C'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a donné la victoire. Je lui donne toute la gloire, moi et mon épouse et toute ma famille. L'œuvre ne fait que commencer. Je vais donner beaucoup d'enseignements. Bon, je n'avais pas assez de temps parce que j'avais la charge de toute l'église. Et maintenant que je suis un peu déchargé, eh bien, je vais continuer à enseigner surtout l'enseignement. Les fidèles de l'église de Gounet disent retenir de leur désormais ancien pasteur principal et son épouse l'humilité et l'amour du prochain. C'est l'humilité. Et chaque fois que vous allez vers le pasteur, vous êtes toujours bien accueillis, quel qu'en soit votre âge. Et c'est toujours agréable d'être avec vous. Vraiment des messages pratiques basés sur notre vie de tous les jours. Et c'était vraiment des conseils qui nous donnaient. On avait toujours du plaisir à l'écouter. Et bon, je sais que de temps en temps, on va l'écouter, mais ça ne sera pas comme maintenant et ça va un peu nous manquer. Pour le responsable hiérarchique direct du pasteur Bawensom Ouédraogo, c'est un homme qui manquera beaucoup à l'église. Ça va nous manquer vraiment. Dans ses conseils pratiques, dans la gestion même de l'église. L'église de Gounet, c'est l'une des premières églises de l'Assemblée, des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et cet homme-là a su diriger des personnes d'un certain âge, assez âgées, des personnes très jeunes, des personnes très instruites, des moins instruites. Mais il a su être un rassembleur de ce peuple-là, leur montrant toujours la direction. C'est une église abondée de monde qui a assisté à cette cérémonie de retraite. Parents, amis, collègues et fidèles ont tous été témoins de ce départ à la retraite. Il est désormais à la retraite mais devrait assurer l'intérim de pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Gounet en attendant la passation de service avec son successeur en août prochain. Et puis le temple évangélique Grâce et Victoire a organisé la première édition du camp biblique du département enfant tenu du 17 au 21 juillet 2019 au collège des jeunes filles de Coubry sous le thème « Enfants chrétiens, lumière du monde » avec comme exemple la vie de Gédéon. Quel a été l'impact de ce camp sur la vie des enfants? Jonas Tondé et Odette Zwangena pour le reportage.
C'est la période des vacances et l'on connaît son impact sur l'épanouissement des enfants. Soucieux d'assurer le développement personnel de leurs enfants, l'Église au Temple évangélique Grâce et Victoire a décidé d'embellir les vacances de leurs tout-petits en initiant un camp biblique à leur intention. Le docteur Elie Koumbem, le premier responsable de la dite Église, nous dévoile ici les motifs. Ce qui nous a poussé à l'organiser, c'est d'abord le nombre suffisant que nous avons et nous nous sommes dit pourquoi ne pas tenter l'expérience. Et avec le petit groupe, on peut mieux gérer les choses. Et deuxièmement, nous sommes rendus compte que les grands ensembles, quand les enfants vont dans certains camps, il y en a qui reviennent parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils connaissent pas les moniteurs et monitrices, ils ne connaissent pas le personnel encadrant. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons tenter. Et cette année, nous avons eu enregistré 110 enfants à ce premier camp-là. Et en tout cas, les conditions sont les meilleures. Le thème retenu pour cette première édition est tiré du thème national du département Enfants des Assemblées de Dieu, Enfants chrétiens, lumière du monde. Comment Gédéon a vaincu les Mandianites en utilisant des torches et des cruches à la dernière bataille, nous nous sommes dit que nous allons parler justement de la vie de Gédéon à ses enfants pour qu'ils aient Gédéon comme un héros, pour qu'ils s'identifient à Gédéon afin de prier dans leur famille, à l'école et dans la société. Loin des maisons, les campeurs profitent de leur séjour dans la gaieté et la bonne humeur. Cette dernière soirée qui a vu la présence des parents, les participants ont fait valoir leur talent à la grande joie de leur géniteur qui espérait justement une semaine de formation sociale et spirituelle. Fabuleux. Nous avons pu faire un tour déjà le premier jour et on était émerveillés par leur accueil, par leur entretien. Et de revenir encore ce soir et de les trouver dans cet état de joie, de gaieté, vraiment c'est très rassurant. Nous sommes réconfortés, nous sommes très contents de les voir ainsi. Les organisateurs apprécient positivement le déroulement du camp et attendent à relever les nombreux défis qui les attendent pour les prochaines éditions. Composés de 10 groupes issus des différentes sections, dont la section croissance, la section obéissance et la section sagesse, les campeurs ont terminé ce feu de camp en beauté par diverses prestations. Et nous restons toujours avec les enfants, la danse au service de l'évangélisation. Le concept est développé à l'église Boulmugou Adé à travers le collectif Danse pour Christ. Du 15 au 21 juillet dernier, les enfants ont été formés en technique d'évangélisation par la danse. Yannick Kabore et Théodore Yamugo pour le reportage. Réunir les enfants dans un cadre sain et leur donner d'exprimer leurs talents à la lumière de la parole de Dieu, c'est ce qui a motivé les premiers responsables de l'église de Boulmugou Adé à soutenir l'initiative de la jeunesse d'accompagner les enfants passionnés de danse. Nous avons des personnes avisées qui sont formées dans l'art, mais nous ne voulons pas seulement importer ou même prendre les techniques du monde pour les mettre à l'église. Aujourd'hui, la leçon nous dit que nous devrons nous appliquer à l'étude de la parole de Dieu. Et souvent, je vois dans notre programme que la parole de Dieu est un centre, soit au centre de la vie de l'église. Donc, nos conseils seraient que les organisateurs voient cela comme un ministère. Ce n'est pas une activité, ce n'est pas une prestation quelconque, ce n'est pas un programme qu'on vient mettre dans l'église. Bien que ça soit innovant, bien que ça parle, bien que ça mobilise, il faudrait que ça rentre parfaitement dans le programme de l'église locale, qui est l'adoration du Seigneur Jésus. Donc eux aussi soient des modèles, et eux aussi ils vont encadrer les enfants qui seront aussi des modèles
suivant le Seigneur comme des disciples. Portée par le collectif Danse pour Christ de l'église Boulmégou AD, cette première édition de Vague Danse a su tenir les enfants en haleine 7 jours durant à travers des formations en art chorégraphique, l'étude de la parole de Dieu, le tout étant de mettre la danse au service de l'évangélisation. La vision est venue du fait que nous sommes partis d'un principe et d'une observation qui est que les méthodes classiques d'évangéliser ne sont plus, on peut dire, d'actualité, ne peuvent plus porter des fruits comme avant. Alors, il est bien de pouvoir faire participer ce qui peut regrouper le monde, ce que les gens aiment, et au travers de là, faire passer l'évangile. Donc, c'est de pouvoir utiliser l'art chorégraphique pour propager l'évangile. C'est ce qui a suscité la création de ce groupe. Le collectif Danse pour Christ est déjà une équipe qui est déjà au sein de l'église Boulmégou AD. Nous avons nos différentes activités pendant les vacances, même en pleine période de l'année scolaire. Ça veut dire que tous les samedis, nous avons une séance de répétition à l'église, de 16h à 18h, et c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, le groupe ne s'arrête pas juste pour la session de formation. Le groupe continue de former, le groupe continue d'accompagner les artistes chrétiens de Burkina, d'accompagner les églises qui œuvrent dans le cadre de l'évangélisation. Tout ce qui est cadre de l'évangélisation, nous œuvrons dans ce sens. À cette cérémonie de clôture de l'édition 2019, l'occasion a été donnée aux apprenants de montrer leur savoir-faire. Parce que avec la danse et la répétition, avec cette présentation de vœux, on voit que d'autres personnes aiment cela. Et puis le cadre évangélique, le cadre qui fait ça, c'est pour que attirer beaucoup d'âmes à Christ, pour amener beaucoup de personnes pour que se convertir à Jésus-Christ. Le collectif se dit disposé à accompagner toutes les églises qui voudraient occuper de manière saine leurs enfants pendant les vacances à travers l'art chorégraphique évangélique à prendre attache avec lui. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition en 2020. Aussitôt, nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. Au Soudan, les leaders de la contestation ont annoncé hier jeudi avoir mis fin à leur dissension avec les groupes rebelles, promettant ainsi de travailler ensemble pour la paix du pays. Il pourrait s'agir d'un nouvel élan pour l'opposition soudanaise. Après des jours de négociations en Éthiopie, les chefs de file de la contestation et leurs partenaires rebelles ont déclaré jeudi avoir conclu un accord. Surnommé « Déclaration d'Addis Abeba », l'accord a pour objectif d'instaurer la paix avec tous les groupes armés du Soudan. Une condition imposée par les rebelles et qui bloquait jusqu'ici l'unité de l'opposition. L'annonce a été fêtée dans les rues de Khartoum. Le gouvernement civil que nous souhaitons n'a toujours pas vu le jour. La justice devrait venir en premier, de même que les droits de nos martyrs. Il y a des personnes qui sont toujours portées disparues depuis le raid devant le quartier général de l'armée. Jusqu'à présent,
Beaucoup d'entre elles sont toujours portées disparues et nous ne savons pas ce qui leur est arrivé. Après la période de transition, il faut que tous les Soudanais puissent participer aux élections. Parce qu'avant, beaucoup étaient marginalisés et cela ne devrait plus arriver. Cet accord devrait permettre d'ouvrir la voie à des négociations de paix entre les groupes rebelles et les militaires qui se sont affrontés pendant des années, notamment au Darfour. Il devrait également aider à finaliser l'entente scellée le 17 juillet entre l'opposition et les militaires, qui prévoit à terme la mise en place d'une autorité de transition. Et en Espagne, c'est l'échec pour Pedro Sanchez qui n'a pas pu obtenir la confiance des députés. Résultat, échec de son investiture comme premier ministre du pays. Suivons ensemble. En Espagne, faute d'accord avec Podemos, Pedro Sanchez échoue à obtenir la confiance des députés. Mais cet échec de l'investiture de Pedro Sanchez comme premier ministre ne signifie pas nécessairement qu'il y aura des élections anticipées. Conformément à la Constitution, le roi entamera une nouvelle série de consultations avec les dirigeants des partis politiques représentés au Parlement en vue de proposer un candidat à la présidence du gouvernement. Le plus probable serait de réélire le président sortant, le socialiste Pedro Sanchez, dont le parti a remporté facilement les élections le 26 avril dernier et qui a déclaré jeudi dans une interview télévisée qu'il voulait réessayer. Quel que soit le candidat choisi par Felipe VI, il devra se soumettre à un vote d'investiture avant le 23 septembre. Si ce n'est pas le cas, le monarque dissoudra le Parlement et convoquera des élections générales en novembre. Une nouvelle période de contact et de négociations s'ouvre ainsi dans les coulisses. Les pourparlers qui ont eu lieu ces derniers jours entre le PSOE et le groupe de gauche Podemos ont laissé un goût amer dans les rangs socialistes. Mais y a-t-il d'autres options ? Fernando Valespín, analyste politique, répond. L'autre possibilité est que l'un des grands partis de droite s'abstienne. Je ne l'exclurai pas dans le cas des conservateurs traditionnels, le Parti populaire, parce que, dans un sens, c'est un échec du système politique dans son ensemble. Si nous allons vers de nouvelles élections en novembre, ce serait dramatique pour le système politique espagnol. Il faut se rappeler qu'il y a eu 3 élections générales au cours des 3 dernières années. Avoir à faire face à une 4e serait non seulement un échec du système, mais aussi d'une génération entière de politiciens. Une génération qui représente le peuple espagnol et qui, en fin de compte, doit tenter de trouver des compromis. Tout est grâce. C'est le temps de la grâce. La Bible nous apprend que Christ est l'homme de la grâce. Avez-vous accepté Christ? Demeurez en lui. N'avez-vous pas encore accepté Christ? Acceptez-le et rentrez dans la grâce du Dieu vivant. Ainsi s'achève cette semaine que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Je vous retrouve une très prochaine fois. Excellente suite de programme sur Canal Vulgaire. Excellent week-end à tous et à toutes.